Voici le guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'atterrir à Frenzy Field ou Shattered Labs. Donc pour ce faire, vous avez deux solutions, soit vous atterrissez ici ou soit ici. Donc dès que vous sautez du bus, vous atterrissez dans l'une de ces deux villes et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets à des lieux dits. Donc les lieux dits, c'est tout simplement les noms de villes que vous voyez sur la map, hein. Rumble Ruin, Creaky, Brutal, etc., etc. Donc vous allez dans une ville et ensuite vous allez devoir détruire 50 objets. Donc les objets, ça peut être une chaise, une table, un sol, un mur, un plafond, tout ce que vous pouvez détruire, tout ce que vous allez détruire, ce sera compris comme un objet. Et dès que vous aurez détruit 50 objets, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 200 lingots d'or. Donc pour obtenir de l'or, soit vous ouvrez des coffres, soit vous éliminez des adversaires. Quand vous allez éliminer des adversaires, ben vous allez pouvoir récupérer leur or. Ou soit vous prenez même un point de capture comme je suis en train de le faire. Et quand le point de capture sera capturé, vous allez obtenir de l'or. Regardez, là j'obtiens combien d'or? J'obtiens 200 de lingots d'or. Donc si vous prenez le point de capture, ben vous allez terminer le défi directement. Parce que ben vous aurez obtenu 200 lingots d'or. Le prochain défi va vous demander d'acheter 10 armes dans des distributeurs d'armes. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, quand vous en avez trouvé, vous achetez 10 armes au distributeur. Donc là, ils vendent 4 pistolets tactiques et 4 pistolets tactiques rares. Donc là, ça fait déjà 8 armes. Donc vous les achetez. Hein, et dès que vous aurez acheté 10 armes au total dans les distributeurs, bah là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir 5000 mètres vers le nord-est. Alors le nord-est, pour savoir où est-ce que c'est, vous avez juste à regarder la barre tout en haut, donc la barre du dessus, tout en haut de l'écran. Et regardez ici, là c'est vers le nord parce qu'il y a un N. Si je vais là, c'est vers l'est parce qu'il y a un E. Et si je vais vers le NE, c'est le nord-est. Donc logiquement, le nord-est, donc si je regarde mon ping, le nord-est sur la map, ça se trouve par ici. Donc vous vous dirigez vers ce lieu-là, hein, qui est en haut à droite. Et logiquement, vous serez toujours vers le nord-est. Et dès que vous aurez parcouru 5000 mètres vers cette destination, vers le nord-est, bah là, vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir infliger 2000 de dégâts aux adversaires. Donc 2000 de dégâts, moi, ce que je vous conseille pour le faire, c'est d'aller en foire d'empoigne. Ensuite, vous infligez des dégâts aux adversaires comme ceci. Et dès que vous aurez infligé 2000 de dégâts au total, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir infliger 100 de dégâts aux adversaires avec des guêpes infernales. Alors pour trouver des guêpes infernales, vous allez devoir vous rendre dans la jungle de Fortnite, donc la toute nouvelle zone, hein, hop, qui est tout ici. Ensuite, vous allez devoir voyager et trouver des guêpes infernales comme celle-ci. Donc là, par exemple, là, je ne peux pas les obtenir parce que elles voyagent et en plus, elles m'attaquent. Donc si maintenant, elles vous attaquent, si vous ne voulez pas qu'elles vous attaquent, vous allez soit dans l'eau ou soit vous vous couvrez debout. Et là, elles arrêteront de vous attaquer. Donc en fait, le but, c'est vraiment de les suivre. Et dès qu'elles vont devenir bleues, là, vous allez pouvoir les recueillir. Donc là, regardez, elles sont bleues. Elles sont sur une plante. Dès qu'elles sont bleues, vous les prenez. Et là, vous en obtenez deux. Donc ne confondez pas avec les bocals à lucioles. Hein, parce que je croyais qu'un personnage en vendait. Mais c'est des bocals à lucioles. Non, nous, il nous faut des bocals, des bocaux de guêpes infernales, donc ce que je viens de récolter. Et la seule façon de les obtenir, je pense que c'est dans la jungle. Je pense qu'on peut pas les obtenir dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Je pense pas qu'on peut en obtenir comme ça. Après, c'est possible, je ne sais pas. Enfin bref, dès que vous avez des bocaux à lucioles infernales, bah là vous les lancez sur vos adversaires, comme ceci, et ça inflige 30 par 30 de dégâts apparemment. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 100 de dégâts au total sur vos adversaires. Et dès que vous aurez infligé 100 de dégâts au total, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.